Oh, Merlin France, caca poubelle, caca poubelle. Ah, je suis tranquillement chez moi. Schlapouns. Regarde moi ça, Lucas. Les Schlapouns de grand-père. Et puis, les super t-shirts. Qui m'a été offert? Oh, Daniel Olivier. Je suis désolé, je suis en train de mon chien. Et puis, les jeans. Ah, les jeans, on est en métier. Alors voilà, bon, il y en a, je viens de vouloir identifier deux personnes sur Facebook, la personne d'Adam Raga et puis Alexandre Ferrer, qui m'ont lourdé en ami Facebook. C'est votre choix. Tout comme Pascal Couturier, apportateur des casques Chouet. Alors je vais faire comme Dieu donné, je vais dire Pascal Couturier, c'est ton Chouet. Tu peux faire ton jeu. J'ai pas d'ananas, sinon je mettrais de l'ananas sur la tête pour faire le show ananas de Dieu donné. C'est votre Chouet. Alors bon. J'ai dit avant que j'allais parler d'un monsieur qui s'appelait Michel Meyer, donc qui est l'inventeur des premiers serveurs Apache web à l'époque, et donc qui s'appelait Migal. Et je me souviens, j'avais réussi à avoir 5 mégaoctets d'espace web, c'était énorme à l'époque. Il n'y avait pas encore de PHP, MySQL, etc. Il y avait une CGI qui fonctionnait. Sous Perl. Et donc, j'y avais à l'époque mis quelques photos. Et puis, c'est devenu par la suite, Michel Meyer, par la suite, c'était coté à la bourse. Il avait réussi à créer. Donc, Migal est devenu Multimania, hébergeur web pour les particuliers. C'était le début de l'Internet. Et c'est là d'ailleurs que j'avais hébergé. Le premier site Trial Vidéo, c'était pas sous les serveurs free, sous lequel est en ce moment trialvideo.free.fr. Et donc j'ai trialvideo.fr, mais celui-là je peux le reprendre, je n'ai pas dépensé 10 balles pour un trialvideo.fr. Chez OVH Cloud, chaque fois il me pompe 15 euros, c'est trop. Alors là, l'adresse mail, philippe.stocker@trialvideo.fr, elle va disparaître dans la nature. De toute façon, j'ai encore les logins pour les. Pour tout ce qui est vidéo que je mets sous Vimeo, pour pas être embêté par rapport à quand tu mets un peu de musique de fond, comme là il y avait Michel Jonas en musique de fond, alors sur YouTube il risque de me casser les nouilles quoi. Pour... Alors Michel Meyer, c'est un gars qui est allé par la suite ensuite dans la Silicon Valley, qui a réussi à vendre du vent. Hein, c'est-à-dire l'action à la bourse et Multimania est montée avant de s'écrouler, un peu comme ce qui se passe avec le Bitcoin. Hein, donc le Bitcoin, laissez tomber, quoi, je veux dire. J'ai encore eu récemment du spam, un truc, j'ai eu du Bitcoin et tout ça. C'est que du vent, tout ça, c'est du vent. Par contre, je passe un coucou à Gabriel Lejaille de la Monnaie Libre, la June. Et maintenant, je vais avoir le temps prochainement, quoi, que je viens de casser mon voyage de Manuel au Dia 4. De toute façon, j'avais pas la thune là. J'aurais dû l'immatriculer avant le 22. On est depuis quelques minutes, je pense. On doit être le 19, le samedi 19. Bon, on approche une minute. Et puis, je sais, je n'aurais pas fait. Mais. Et puis, surtout, j'ai ma nouvelle coupe aujourd'hui que j'ai fait chez coiffure Samina. Je fais un petit coucou à Mélanie Burkel. La tribu Burkel. Merci Mélanie pour cette belle coupe. Eux ils m'ont fait confiance, je t'en dois qu'un mot. Que je leur filerai tôt ou tard. Quand tu auras mon RSA, le 5, si je me file, si avec tout ce que je diffuse en ce moment, on va pas me brûler. Mais je m'en fous. Comme disait George Carlin, they take you by your balls, they spend billions of dollars lobbying to get you, to get what they want more. For themselves and less for anybody else. Et Philippe Stocker, on le prend pas par les, on le tient pas par les nouilles. Je trouve toujours une solution. En
informatique, il existe le dicton suivant. Where there is a shell, there is a way. A shell, c'est un coquillage en anglais. Donc ça veut dire, ça, c'est le C de point, et puis c'est là que commence à... ça ressemble à un coquillage, puisque ça s'expand. Hein, c'est comme un arbre généalogique, mais voilà. Et donc c'est l'insigne du coquillage du pétrolier Shell. Donc Michel Meyer, pour en revenir, il ne faut pas trop m'égarer, parce qu'après on va dire « Ah, vous mélangez tout !» Non, je ne mélange pas tout, j'ai tellement de choses à dire, donc je demande toujours au Ross pour s'interview ce que j'ai à dire, c'est tellement peu important. J'ai appelé donc la cellule d'intervention de la préfecture de Strasbourg. Ils m'ont dit jusqu'à 2000 appels par semaine à traiter. Ils sont surbookés tellement, c'est le... mais un vin France, cacapo. Et on revient à Michel Meyer. Donc à un moment, il y avait un gars qui avait fait une pub. C'était la suivante. Il y avait un incendie dans un immeuble. Et il y avait les pompiers qui se baladaient avec leur trampoline là, pour récupérer les gens. Et en haut, il y avait des gens qui donnaient des bifetons. C'est-à-dire, ils présentaient des bifetons. Et c'était donc à un moment, il y avait une belle, hein, elle n'avait pas de sous. Donc, les pompiers vont chez la belle. Hein. Puis, du coup, ils vont chez l'autre personne. C'est celui-là qui présentait. C'est le système capitaliste. Et d'ailleurs, du tout de suite. C'est-à-dire, et là, il avait malheureusement, parce qu'il a été viré. On l'a viré, il était génial parce qu'il était en avance sur son temps. Et donc il avait montré ce que c'était le pognon, le tout de suite, comme avait écrit François Mitterrand, ici et maintenant. Et puis ensuite, je crois qu'il avait écrit un truc tout de suite, enfin, la génération du moindre effort, c'est-à-dire aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, c'est encore cliquer, c'est utiliser un téléphone portable, c'est prendre un QR code, tout a été simplifié. Au maximum, comme dit Georges Carlin, you get a pencil, go to the court of physics. C'est-à-dire qu'on va éviter au grand maximum. Et c'est là que je m'adresse au docteur Laurent Alexandre, donc fondateur de Doctissimo, qui l'a revendu, qui donne des conférences en disant il y a énormément de boulots qui vont être laminés par l'intelligence artificielle et le boulot. On s'en fout totalement. Rendant tout ça facile, par la mairie, QR code et tout ça, on abrutit les gens n'ont plus besoin de réfléchir. Mais aussi, on les rend dépendants à quoi? On les rend dépendants à un abonnement. Et celle-là qu'ils vous tiennent. Parlez-lui. Parce que demain, quand vous n'aurez plus d'abonnement, je vous avais parlé de Charles Gave récemment, Charles Gave qui explique que Ford n'arrive plus à vendre des bouquins, des voitures en Amérique, les voitures gratuitement, au bout de 48 mois, si vous ne payez pas la traite, il part du principe que la personne est tellement addicte à la voiture qu'elle est prête à tuer sa mère pour se sympathique, pour payer les crédits. Et donc là, je dis, demain, il y a le soleil parmi nous, la belle saison. Et ce soleil fait que je vais me balader en vélo, et à vélo. Paul Filzer, à vélo. Pas en vélo. C'est possible en moto. Non, c'est à moto. Et voilà. Et donc, ça va être le but, ça va être zéro consommation, ou le moins possible. À l'heure actuelle, il me reste 68 centimes d'euros sur un compte nickel, et j'ai 2,30 euros, un truc comme ça, en espèces, dans mon portefeuille. Mais je suis riche, parce que je suis riche en temps. Et le temps, c'est de l'argent. End of. Très bon samedi à vous.